Et les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. I'm not like other people. Other people are like other people. Other people. Displaced est un poème de Bukowski, Charles Bukowski. Et j'ai lu ce poème quand j'avais 6 ans, 17 ans. Et j'ai vraiment aimé ce poème parce qu'il explique très bien le sentiment d'être displaced, de n'être nulle part à la maison. Et c'est un poème que deux de mes personnages aussi connaissaient. Et je pense que c'est un sentiment universel. Mais c'était surtout un sentiment que toutes les personnes qui sont nées, qui ont deux identités, deux nationalités, peuvent sentir. Et ça, c'est que nous sentons tout le temps et à chaque place. Donc, on se sent en Belgique, mais après un temps, on peut voir qu'on se sent aussi comme ça en Turquie et partout. À Bruxelles, en classe, j'étais toujours Miss Istanbul, zine la Turque, zine ceci, zine cela. Mais en fait, ce que moi je voulais être, c'est juste zine et c'est tout. Et en fait, quand on vient ici, on se rend compte qu'on est vraiment les deux. C'est au fil des années que je me suis rendu compte que j'étais plus belge que je ne le crois. Les gens ici sont pas très tolérants et ils vous rappellent toujours que vous vous êtes pas d'ici. Ok, ça va? J'étais en train de parler avec une copine turque qui est aussi de la troisième génération. Elle a déménagé à Istanbul. Elle était un avocat, mais elle n'était pas heureuse ici. Elle était allée à Istanbul et elle a commencé à travailler dans un call center. Et elle m'a raconté des histoires qui étaient très étonnantes. Donc, il y a beaucoup de call centers néerlandophones, francophones, allemands. Ils sont tous là-bas et ils ont beaucoup de personnes de la troisième génération qui déménagent à Istanbul pour trouver leur maison ou leur identité. Au début, j'ai pensé de faire un documentaire seulement dans un call center, mais ça grandit et j'ai aussi des bons caractères qui ne travaillent pas dans un call center, des bons personnages qui ne travaillent pas dans un call center, mais le call center est comment assez important dans mon documentaire et j'ai beaucoup de matériel dans les call centers et c'est très rare que dans un call center à Istanbul. Donc, tu déménages à Istanbul pour être un individu et pas une minorité ou quelque chose comme ça. Et tu vas travailler dans un call center à Istanbul, dans ton pays de rêve, dans ta ville de rêve. Et tu ne peux pas utiliser ton propre nom. La réponse de la police, des autorités a été assez dure avec les gaz lacrymogènes. Quasi tous les jours, ça c'était assez difficile parce que de voir autant de violence gratuite comme ça, on n'a pas l'habitude. Je pense que c'est un très grand problème pour des jeunes, donc des jeunes turcs de troisième génération. Et c'est vraiment un problème parce que être différent, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté ici, mais ce n'est pas accepté aussi en Turquie, en Istanbul. Et il y a beaucoup de gens de troisième génération qui sont vraiment dépressifs. Ils ne se sentent pas bien à tout. Et donc, moi, maintenant, je peux dire que c'est quelque chose de positif. Mais ça prend beaucoup de temps pour voir ou pour réaliser ça. Et quand tu es jeune, c'est très dur de,
de grandir dans une société dans laquelle tu ne te sens pas accepté.